attacking, this way you will help Leah, okay? This is super important, okay? So, also in passing, we have to challenge them. She said, I put a fucking bomb super deep, everybody may step back, everybody move on the left. After she put in the other corner because she deserved, but this means that she will take risks, so she can make mistake, okay? So this is the way, and at the end, we have to enjoy, it's a fucking fire. We prepared very well, we practiced a lot, we did everything we could to recover as much as possible, to be ready to play this final. And so yeah, it's a really special feeling to live up to a moment like that. Yeah. To start like the preparation week, we practice a lot. We practice like every day, two times. We had a lot of video sessions. We were preparing like in the best way as possible for this game. To maybe to push more with your arm, but in this way, not forward. Tous les jours, on a fait de gros entraînements de 2-3 heures, et il était vraiment une grosse intensité, mais ça faisait du bien de travailler comme ça et. Et de quand même pouvoir progresser dans les dernières semaines. Elle a joué comme ça sur Bauer pas mal de fois sur le match précédent. Juste faire attention à ça. Avec elle, c'est un timing, il faut attendre un maximum. On a poussé, on a vraiment poussé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'exigences à l'entraînement, mais de la part de tout le monde, que ce soit de la part des coachs, mais aussi de la part des joueuses, parce qu'on savait ce qu'on voulait, malgré la fatigue. You have to try to find a balance, to work hard, to be ready to play a final, but you also have to find the balance that you are rested well enough for, yeah, to feel 100% for this game, because it was really intense, like mentally, because every moment you're at practice, you want to give 100%. You feel that there's something in the air, that everyone wants the level to be high enough, that everyone wants to show their best selves. The season was pretty long, also coming from national team, you know, like the summer. It's like mixed of emotions. We can say we are lucky to have this experience, to also make money with the things we love, you know, because it was like my dream to play like as a professional and to also achieve that. Sometimes you forget it, you know. If I think when I was, I don't know, 13, 14 years old, you know, and I said, yeah, I want to play, I don't know, one time Champions League, and now this season I achieved that goal, you know, and thinking back, you know, you were like, okay, you can be proud of yourself. On était dans un autre monde, dans une bulle collective où en fait on a pensé qu'à nous et qu'au volet. On fait abstraction de tout, même maintenant dans ma vie, tous les soucis qu'il va y avoir à côté. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de les oublier ces derniers jours.
saison était longue, vraiment. Là, c'était une des premières années vraiment où on finit aussi tard. Et en plus de la Champions League, de la Coupe de France, du championnat, franchement, cette année, c'était vraiment hyper, hyper intense. Et donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'exigences, beaucoup de travail physique, beaucoup de travail technique et tactique. Et ouais, en fait, tout le monde était à fond, malgré la fatigue mentale et physique. On vit de notre passion, c'est une chance. Donc, on va dire le quotidien, c'est se lever, aller en muscu, pousser lourd ou léger, explosivité, revenir à l'entraînement, 2-3 heures de saut. Bon, direction une petite séance kiné, suivi d'une muscu avec Gino. Et on va faire un peu de service matin aussi. Donc, voilà le programme de la matinée. Allô? Allô? Ça va? Ouais. La terre. La terre, hein? La terre de terre. Exactement. C'est fini après. La terre de terre. La terre de terre. Voilà, on s'est entraîné très fort. On poussait tous les jours. C'est vrai qu'on a une période en janvier, février, on avait 2 matchs par semaine, donc c'était match sur match, on n'avait pas le temps de s'entraîner. Et là, les soins, la récupération avec notre kiné qui a été top cette saison aussi encore. Une saison particulière parce que jusqu'au mois de janvier, tout le monde s'est dit bah, qu'est-ce qui se passe. Certes, on avait perdu 4 matchs, mais c'est comme si c'était la fin du monde. Alors qu'effectivement, oui, on a eu du mal à rentrer dans notre compétition. C'était un championnat très relevé, donc Mulhouse a l'habitude de gagner. Donc on était 6e, 7e. Ça a été très difficile parce qu'il y a les doutes dans la tête de tout le monde, les doutes dans la tête des supporters. Est-ce que c'est la bonne équipe? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que le recrutement est bon? Il y a beaucoup de questions qui se passent et les gens qui s'interrogent autour de nous parce qu'on n'est plus habitué à perdre. When you are ready, you come in and we start immediately 6 with difficult situation. Okay? So it's important to make amazing warm up. Vamos, vamos, vamos! Bravo Ali, bravo Ali! Go fight, go fight! I think we went step by step to where we are and that we finished also first after the season. You know, nobody believed in us. I honestly have to tell you, I think nobody believed in us. Like, also not the city. They were like, I don't know if they can even go to playoffs. I hope they go to playoffs. But I think like we believed in us, you know, we really believed in us, what we can do and how we can win. We achieved also that to like prove everybody, you know, like we can do that and we are strong, you know, we are a really strong team and we believe in us. And this is, I think, the most important thing. Ça a été vraiment difficile, mais les individualités de cette équipe volleyballistiquement déjà, rien que dans notre sport, on a toutes performé avant de venir ici ou en étant ici. Et après, humainement parlant, on s'est trouvé, il y a une âme dans cette équipe qui est incroyable. Ce qui est fou cette année, c'est vraiment qu'en fait, les 12 joueuses, ça a pris, mais... Il n'y a eu rien besoin de faire, quoi. Ça a été très naturel. C'est ce qui nous a permis de
déplacer les montagnes tout au long de la saison, je dirais ça comme ça. Donc ça a été une année, encore une fois, difficile, mais on était vraiment toutes là les unes pour les autres. Les deux fois où on a fait championne de France, on avait c'était deux groupes qui étaient spéciaux. Voilà, c'était des groupes où on sentait qu'il y avait une alchimie, vraiment quelque chose qui avait pris. Comme je dis, moi, ça fait 9 ans que je suis là et en fait, c'est pas toujours évident parce qu'on arrive en début de saison, on a 12 joueuses, on nous met ensemble sur le terrain et l'objectif, c'est de gagner. Sauf que, en fait, dans ces 12 joueuses, c'est avant tout des femmes, des personnalités différentes, des cultures différentes, avec des origines différentes. Et en fait, y a des fois, ça prend, et il y a des fois, ça prend pas. I think I've never been in a group of girls that was so inspiring. Like whenever we had a tough moment, we put our heads together, we talked, we said, what can we do better? Moi, j'ai envie de dire que j'ai toujours cru en cette équipe. Le staff, c'est capital parce qu'il y a un entraîneur, il y a deux entraîneurs adjoints, dont un qui est plus spécialisé dans les statistiques, on a un préparateur physique, on a une kiné à temps plein, un ostéopathe, un médecin. C'est toutes les personnes qui sont aux petits soins des joueuses, qui veillent à ce que physiquement elles soient bien. Et voilà, ils sont là pour être à l'écoute, pour les faire avancer, pour les faire grandir techniquement, tactiquement, et pour être, voilà, pour qu'on soit au plus près du très haut niveau. Ça va, François? Très bien, merci. Pourquoi? Je suis under focus. C'est un déplacement sans stress. Bonjour, Lenny. Bonjour. Allô, allô. Allô, allô. Ça va? Ça va, très bien. Allô, allô. Hello, so, bonjour. This partner, what do you think about this? I think we are ready. Ah, yes. And I think yes, from here it's better. It's here. Yes. So. And I think we are ready. We work really hard. Mm-hmm. And I think we also, we practice good and uh-huh. we sweat good. And okay. I think now with Pablo in the bus, okay. I'm really, really, really you ready. Think, and warmed up already. It's good you're already alive, right? Yeah, I am. Hello, I'm Pablo. Ciao. I'm the first driver. Yes. Sometimes I coach people, but basically I'm here to drive. I do it pretty good. Like, look, all of them are okay. So yes, I don't can know. See. I don't know if I will keep my job because of how I drive. But I do my best. Okay, au revoir. Au revoir. Au Gracias.
We were there pretty early, so we could sleep, we could rest, and then we had in the afternoon a practice. When we were in Le Canet, okay, everyone's like, okay, it's final time. And I think also a little bit pressure we got, because now it's like win or lose, you know, it's like nothing, like there will be nothing further anymore. Five, for example, João Saïd in 5, our best serve there is amazing, but also nobody is so good in passing, so we can use our best serve every time. Also, our best tactical serve, and you know exactly how to do, okay? Yeah, like after the first game against Valero, you know, it was a really, really, really tough game. Like also, like if you see the first set, we were fighting a lot, and then in the second set we were this close to come back. We wanted to give more, but it was not possible in that game, you know. Like they played so good, and we didn't play our best. On est sur une série de victoires, donc c'est pas facile à encaisser la défaite, mais elles ont fait un super match et on est tombé contre meilleur que nous, donc. Je pense qu'on n'a pas énormément de regrets sur ce match-là et qu'on a juste une autre bataille à livrer à la maison. So I think it's not a usual game. So it's something that you have to live to know how you can react. So today was maybe our worst game and can be. This is the reason why everybody loves sport, because you never know what can happen. So I'm sure 100% that all of us, all players, play to win, and everybody tried to do their best. After was not enough, we didn't play a good volleyball, and after we let Le Canet play amazing game, so congrats to them. But this is the reason why everybody loves sport. Mais on est fiers de notre équipe et on continuera à la soutenir quoi qu'il arrive. Ça peut arriver, hein. Mais on sera là dimanche, parce qu'il faut qu'on gagne dimanche. Allez Milouz! Qui a vraiment eu une effervescence derrière, ouais, derrière nous. Et voilà, hier soir, c'était magique, quoi. Cette ferveur lors de la finale, c'était merveilleux. Pour moi, c'était merveilleux. Cette ambiance, ce qui s'est passé dans ce Palais des Sports, j'ai trouvé que c'était génial et juste extraordinaire, parce que le Palais des Sports, on l'a déjà rempli, c'est pas la première fois. Mais avec ces émotions, cette envie, tout le monde avait envie d'aller au bout. Quand je suis arrivée avant le match, voilà, il y avait des frissons, quoi, parce qu'on voit les gens qui jouent à la pétanque, le DJ, les merguez dehors, la fan zone qui était déjà pratiquement pleine, tout le monde en rouge. Enfin, on entre dans le palais. Hier, c'était une atmosphère, une ambiance juste magique et inoubliable. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la différence de moyens qu'on a, de tout ce qui se passe autour, c'est de continuer à croire en ses rêves. On sent que Magali fait un job de ouf. Magali et le club,
même on sent qu'il y a de plus en plus de partenaires. En fait, le VIP, il est de plus en plus rempli. Là, c'est plein après chaque match. Mon papa, c'était la première fois qu'il venait me voir au palais comme ça. Donc, c'était beaucoup d'émotions. J'avais mon copain, j'avais ma maman aussi. J'avais ma tante, c'est ma supportrice, ma fan numéro 1, vraiment. Et elle est venue du Maroc pour la finale, donc franchement, le soutien de la famille, comme ça, c'est... ça galvanise. Ça me met un coup de stress parce que t'as envie de les rendre fiers. Mais après, quand tu mets un point, le plaisir, il est décuplé, donc c'est vraiment... C'était un soutien énorme. It's really, really cool to play in Mulhouse. Volleyball is really something that lives here. People are watching it. People are there for us. I think we proved again that we have the best spectators of France, for sure. Nos bénévoles, c'est nos poumons, c'est notre cœur, c'est les travailleurs de l'ombre et sans eux, on serait rien. Tout le monde nous supportait et ce mur en rouge comme ça, c'était cette communion avec le public à la fin. So it's a really nice feeling to play in Mulhouse. J'ai pas les mots, c'était vraiment trop beau à vivre et mon cœur était gros comme ça. Tout le monde rêvait, tout le monde a rêvé. On y a cru jusqu'au bout. Même si l'issue du match n'était pas celle qu'on désirait ou celle qu'on aurait voulu. Je pense qu'on pouvait le faire. On avait les armes pour le faire, mais c'était juste pas notre jour, on va dire. Après, malgré tout, on reste des compétiteurs, donc on a perdu en finale. Donc certes, on est frustré. Ça a été long et ça va être long pour s'en remettre. Mais je pense que malgré tout, la saison est belle. Et que dans le sport, il faut accepter que, en tout cas, avec cette formule de jeu, on a perdu contre plus fort que nous. Les gens nous ont applaudi. On sentait que les gens étaient fiers de nous et que cette saison a marqué tout le monde. Donc il faut retenir ces émotions. In Mulhouse, it's really bigger than only sports, it's really like a community. Le sport de haut niveau, c'est des émotions fortes, c'est du partage, c'est de la passion, c'est une aventure humaine. Le sport est parfois cruel. Nous avons tous rêvé de décrocher ce titre pour vous, pour nous, mais malheureusement, nous nous sommes inclinés hier soir avec les armes à la main. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire à vous, les joueuses, le staff, à quel point je suis fière de vous. Merci pour l'abnégation dont vous avez fait preuve. Merci pour votre courage et votre volonté. Merci d'avoir porté haut et fort les couleurs de Mulhouse. Merci d'avoir fait rêver nos fidèles supporters. J'adore ce groupe, il va beaucoup me manquer, vraiment. Mais c'est la vie, on va rester en contact, on sait qu'on va toutes partir un petit peu loin, donc on ne sait pas, on ne va pas pouvoir se voir avec nous au quotidien, on a du mal à voir notre propre famille, donc les filles qu'on a rencontrées, c'est encore autre chose, mais ça n'a pas de prix et je me sens vraiment reconnaissante de ça. Je remercie aussi personnellement le club de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Voilà, ça a été des belles années à Mulhouse. C'est du positif, c'est même si c'est des larmes, c'est du positif. Je remercie Magali. Elle a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur. Donc voilà, je voulais la remercier. Le président aussi, Christophe. Je suis arrivée ici, j'avais 19 ans, j'avais sur ma vingtaine, j'ai 25 ans aujourd'hui. Donc voilà, ils m'ont vu grandir, ils m'ont aidé, accompagné à être la femme que je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie de l'enseignement. Tout Gino, Charles, voilà, Pablo, François.
all of them, you know, they were amazing, you know, they were helping me from the first day, you know, until the last, and they always were listening, you know, and this was really good, and they also took a big part of all of this what we achieved. The club, the players, the spectators, like everyone who worked on this team this year, like I would like to thank everyone because it's been a special season. Je vais quand même remercier particulièrement Leandra qui est notre capitaine et qui il y a eu des moments difficiles dans la saison et je pense qu'elle a toujours su montrer le chemin et montrer la voie et je pense qu'elle a eu une importance capitale cette saison. Je retire que du positif, c'est comme ça que je réfléchis dans ma vie, que j'aime être, donc je leur ai dit amour, je les aime. I can promise you no team in France is like that. Vous venez d'être plongé dans le quotidien de sportifs de haut niveau et notamment de vos joueuses préférées, les volleyeuses du VMA. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien de notre partenaire historique Sofitex et Eric Picou. Un grand merci. Merci plus particulièrement à Carbon Café pour la réalisation de ce film. Donc Philippe Joubert et son équipe pour votre investissement dans notre communication. Si ça vous a plu, on a la possibilité de refaire ce type de reportage grâce à votre soutien, au soutien de Sofitex, de Carbon Café et pourquoi pas vous. I should thank you for that. I'm okay, but it was a real close call. It went from a walk to a crawl. Never did I look my lip fall. I was panicking, but hey, I guess that's a vacuum. And that shit was hard to do. I've had every shade of blues since I met you. I think that I'm over it, but then I see you out again laughing at the group of friends. Voilà, c'est une fin de tournage, merci. Wow. C'est pas du tout la fin. Ouais, mais on mettra ça à la fin. Okay.